on va vous présenter Freddy, le joyeux caddie, un caddie Volkswagen Maxi que nous avons aménagé pour pouvoir voyager dedans. Voilà un aménagement à notre goût que nous avons fait avec amour, avec pas mal de temps. Là, nous avons des rideaux fermés avec du tissu que nous avons acheté au Togo pour emmener un petit peu de voyage avec nous. Et on va découvrir ensemble l'intérieur. Pour ces rideaux-là, nous ne pouvions pas installer le tringle. Le caddie est très bien habillé et il n'y a pas beaucoup de points d'accroche. Donc nous avons utilisé du velcro que nous avons collé sur cette longueur et cousu sur le tissu afin de le coller comme ça par le haut. Et un petit point de velcro ici aussi pour que ça tombe bien droit. Voilà. Nous avons eu un peu de mal à trouver comment accrocher nos tringles, comme il n'y avait pas de point d'accroche, mais on a pu démonter une ceinture à l'aide de Rizlin et de ces grandes barres de bois qui reposent la petite plateforme de rangement au-dessus des sièges conducteurs et passagers. Pour les rideaux ici, on a fait une ficelle qui passe sous ce rond. On défait en décatès avec un petit tournevis. C'est une cheville, on glisse la ficelle en dessous et ça permet d'attacher à la paroi et pas que ça pende et que ça prenne trop de place. Pour les rideaux qui arrivent au milieu, nous avons utilisé des pieds de tente coupés, percés ici et mis un rizlin et insérés dans le trou de la ceinture. Pareil, rizlin ici qui s'accroche au petit crochet. Voilà, et on peut avoir quelque chose qui tient bien. Petit zoom sur la tringle à l'avant qu'on a fixé sur les deux barres en bois avec du rizlin, avec une petite ficelle. Hop là, c'est super. Pour protéger de la chaleur ou du froid et aussi pour permettre une opacité et que ce soit vraiment nuit à l'intérieur et aussi qu'on ne voit pas trop dedans si on part plusieurs jours, à découper donc des tapis de sol, comme vous voyez, à la grandeur des fenêtres. Donc il y en a pour chaque fenêtre, mais on les a pas tous mis maintenant. Et ça, c'est des hauts de pot de yaourt qui font office de petites languettes qu'on vient coincer pour que ça s'adapte bien. Voilà, donc là, on pourrait en mettre plus pour que ce soit plus plaqué, mais pour l'instant, ça nous va bien comme ça. La petite déco, le taxi brousse qui ressemble un petit peu à notre caddie. Donc ça, pour la déco, on avait très envie d'en mettre un petit peu. Et du coup, pareil, c'est du velcro collant qu'on a collé en bas et puis sur les roues de la voiture. Et là, c'est la plante qui change tout, aussi collée avec du velcro, et puis une ancienne boîte à vin qui s'ouvre par le haut, voilà, pour faire un petit rangement. Et puis après on a les rangements sur les côtés qui sont de la voiture, hein, où on peut mettre des livres, trousse de toilette, enfin voilà ce qu'on veut. Et une guirlande de petites lumières qu'on verra quand on vous montrera le mode nuit, donc qui passe là comme ça, hop, qu'on a installé après avec des épingles à nourrice. Et voilà l'aménagement en mode nuit. Pour le matelas, il s'agit en fait de différentes couches, de tailles différentes, pour pouvoir en faire des sièges et puis avoir accès à nos rangements intérieurs. Et donc on a récupéré des anciens matelas, enfin, qui se dépliaient dans des brocantes, et puis on a découpé, alors petite astuce pour découper la mousse qui est épaisse, on peut utiliser un ciseau à viande électrique par exemple, ça marche très bien, même pour désépaissir la mousse si vous en avez trouvé de différentes épaisseurs et qu'il faut mettre à même niveau. Et pour les housses, comme vous voyez, il faut faire des housses avec l'épaisseur ici. On a acheté du tissu comme pour recouvrir les fauteuils, bien épais pour éviter de faire deux housses différentes. Et je vais vous mettre en bas de la vidéo un lien vers un tuto super que j'ai trouvé pour apprendre à faire. Soit avec l'ouverture sur le côté, soit avec l'ouverture par le dessous. Et moi j'ai mis du velcro pour faire plus simple. Donc c'est l'avantage aussi de pouvoir tirer ces coussins pour avoir accès au rangement. C'est construit en un seul bloc de manière à ce que nous puissions sortir le bloc entier, le stocker et puis remettre les sièges pour voyager normalement avec la voiture. Donc c'est un bloc qui se compose de trois parties et puis d'un rabat là-bas qu'on vous montrera tout à l'heure. Alors le premier toit avec un petit loquet qui permet que ça ne s'ouvre pas quand on est garé en pente, de même pour ce toit. Hop. Et ce sont des glissières bien solides avec frein. Donc ça évite si on cuisine une casserole pleine de pâtes que garé en pente, le tiroir se referme. Avec la cuisinière, nous avons donc fait les ouvertures pour les boutons. Et puis une ouverture là, on a la vaisselle qui est rangée. Derrière la cuisinière, on a même un petit crochet pour le torchon. Et puis on a la petite tablette pour bien sortir, pour poser soit le jerrycan d'eau, soit les ustensiles de cuisine, etc. On se prépare un petit café. C'est le tiroir en provision qui est un petit peu moins profond que l'autre. Et voilà, notre café. On va pouvoir le faire. Donc il va jusque là. Bon, cette fois on a pris des glissières un petit peu moins solides parce que le tiroir n'est pas censé rester ouvert, donc c'est pas trop grave s'il supporte moins de poids.
chez Bicheleux, crocheté par Mamie Cifer. Donc là, on est en mode nuit. Ça nous fait 1m10 de large et à peu près 2m10 de longueur. On va passer en mode table si jamais il pleut et qu'on veut être à l'intérieur. Une belle table de bois de cèdre. Et on a mis un petit peu de temps à trouver une astuce pour pouvoir la monter sans que les pieds nous dérangent, pour ranger un peu des affaires en dessous. Donc, des pieds amovibles sur lesquels on va enfoncer notre table. Et voilà. Là, on a prévu des vis. On vous fait la version rapide, mais sinon, on les met pour qu'il y ait un petit peu moins de jeu sur la table. Donc ici et ici. Donc pour des gens comme moi qui sont pas trop grands, c'est vraiment nickel. Et puis sinon, on est un peu courbé, mais on a la place derrière aussi pour s'adosser. Voilà un petit brunch. Et un petit café pour Florence. Et donc maintenant, nous avons d'autres rangements. Suivez-moi. À gauche, c'est le rangement de Florence avec ses habits. En symétrique, on a la même chose pour Jérôme. De ce côté-ci, on a encore un petit bloc avec notre douche qu'on peut mettre sous pression, qui vient de Decathlon, et puis le nécessaire de toilette. On a encore un bloc au milieu où on peut accéder éventuellement par en dessous comme c'est ouvert, mais qui est beaucoup plus pratique d'accéder par le haut. Et là-dedans, on a mis un panier qui a la bonne dimension. On stocke nos fruits et nos légumes qui se conservent plutôt bien pour l'instant. On a fait ce rabat et tout le bloc à l'avant afin de pouvoir aussi voyager avec la banquette du milieu et les trois sièges qui vont exactement se coller ici. Et une fois repliés, la table va en fait reposer sur les sièges qui seront baissés. Mais là, comme on n'a pas de barre de toit et du coup on avait besoin de place pour nos bagages, on a enlevé toute la banquette et on va quand même mettre un pied pour que ce soit un peu plus stable. Hop. Si on veut sortir le bloc de l'aménagement, il nous faudrait juste démonter ces deux boulons là pour avoir tout ce bloc là et puis le rabat à part. Et donc le bloc, on le sortirait vers l'arrière. Nous avons des pieds rétractables. On veut se mettre en mode canapé. On n'a qu'à reculer un peu les sièges à l'avant. On ne fait pas l'autre pour l'exemple. Et voilà. Hey. Alors supposons qu'on veuille travailler et panne d'ordinateur, plus de batterie. Bon, comment on fait? On a acheté ce petit onduleur, 3000 watts de puissance, bon, je demande à voir. Et cela dit, vous pouvez même l'utiliser après si un jour vous faites une installation solaire. Un petit port 12 volts là derrière. On branche notre onduleur. Bon, il a un petit défaut, c'est qu'il fait beaucoup de bruit avec son ventilateur. Mais bon, il est puissant. Ensuite, le brancher. Et voilà, il charge. Si jamais vous avez besoin de charger, je sais pas, un appareil photo ou quoi, bah voilà, vous avez du 220. Hello. Voilà notre tente Aillon. Donc la tente Aillon qui se met sur le coffre, sur le Aillon, à l'arrière, avec trois petites sangles qu'on vient clipser de l'autre côté. Ensuite, on a des sardines, il y en a quatre par côté, pour pouvoir s'accrocher au sol au cas où il y a un peu de vent. On a aussi une fixation sur la tâche du coffre, une porte qu'on peut remonter, donc là elle est en position remontée, et vous voyez que ça nous rajoute un grand espace à l'arrière pour pouvoir s'abriter en cas de pluie. Et même si la pluie vient sur les côtés, on est quand même bien à l'abri. Cuisiner ici, on a la place pour circuler un peu. On peut même installer une table. Et supposons maintenant qu'on veut prendre une douche en ville après avoir transpiré toute la journée. Bien, on peut le faire. On a la douche gonflable dont vous avez déjà parlé. Bon, là, je l'ai remplie d'eau. Et voilà le principe, vous remplissez ici avec de l'eau. Vous gonflez ensuite avec une petite pompe. Tac, un quart de tour, et puis ensuite vous pouvez vous doucher, voilà, avec la douchette. Pour pouvoir prendre cette douche en toute intimité, on peut baisser les deux rideaux ici, fermer la cabine, donc je vais pouvoir prendre ma douche sans vous